Bonjour, c'est Gry Fox. J'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Newbies pour la sixième ronde de la Dofus World Cup 2023 dans le cadre de la saison 7 des Cross Monsters Diamonds Arena. La draft m'a amené à jouer Xelor Sacrieur Ujinak contre Pandawa Yob Kra. J'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA, le Sacrieur O et le Ujinak R. Je vous commande ce match en différé. Bon, je vous cacherai pas qu'il s'est passé beaucoup de choses bizarres autour de ce match. La première chose étrange, c'est le first pick panda en face, qui m'a pas mal déstabilisé, j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de ça. Et les picks et les bans m'ont amené à choper un Xelor. Je me dis que Xelor, c'est une classe qu'il faut vraiment jouer, il faut se forcer à jouer dessus parce que c'est trop important de pouvoir en sortir un de temps en temps. Mais j'ai très très peu l'occasion de pratiquer, là ça faisait très longtemps que j'avais pas joué dessus. Donc je pars pas hyper serein dans ce match, je me dis bon, je vais faire ce que je peux. Mais j'ai pas joué Exile depuis très longtemps, je suis pas spécialement bon dessus, et avec contre un panda, avec en plus le panda qui a l'initiative qui joue juste après moi, au niveau du placement ça peut être un peu compliqué. Je savais pas trop à quoi m'attendre en face, je savais pas si j'allais me faire full tabasser à distance, ou si au contraire le panda allait jouer en full rush, allait me choper un perso et à me faire ensuite défoncer en mêlée par le Yop par exemple. C'est pour ça que j'ai mis des boucliers offensifs, je me suis dit là ça peut taper à distance ou en mêlée, je sais pas trop, bon le Kra c'est plutôt à distance, on le sait, même s'il existe quelques modes chimiques de Kra mêlée, mais bon ça c'est encore autre chose. Donc bref, voilà, je suis parti un peu dans cette idée, le Xelor il est au retrait PA, j'ai essayé de le jouer avec la variante engrenage, que j'ai jamais trop testé, c'est un peu pour voir comment ça se passe. Et je me suis rappelé au début du match que le sablier de Xelor avait pris un sacré nerf, il est maintenant à 3 PA et il enlève l'état téléfrag. Ce qui nerf quand même beaucoup le mode retrait. Si je m'en étais rappelé un peu plus tôt, je l'aurais peut-être pas joué avec ce mode-là. Le sacrieur ici, je le mets en mode haut. J'avais fait ça au match précédent, ça avait bien marché. Je me dis, bon, ça peut éventuellement être sympa. En fait, là, je suis dans l'optique un peu de tester. C'est peut-être pas forcément le meilleur mode pour ce match. J'aurais peut-être pu en faire un terre ou un air éventuellement. Mais voilà, je me dis, en mode haut, en principe, j'ai la ceinture de servitude. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc, ça me permet de prendre des restes distance. Et comme il y a un Kra sur une grande map, je me dis, allez, c'est pas mal. Donc, let's go. Et bon, bah, Lugie R, assez basique, classique, pour avoir un peu d'héros, un truc qui peut aller dans la mêlée, héroder, taper, tanker, voilà. Lugie est beaucoup plus classique. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué sans Pre-Tech. Je me suis dit, allez, j'en ai marre des Pre-Tech. En fait, j'ai un peu pété un câble, pour être honnête. C'était la fin de la soirée. Je me suis dit, j'en ai marre des Pre-Tech, j'en ai marre d'avoir que ça dans Dofus tout le temps. Parce que ça change quand même beaucoup la méta, l'air de rien. Les Pre-Tech, on pourrait se dire que ça amène à tanker un peu plus. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse, parce que ça permet de jouer des modes hyper, hyper offensifs en full dégâts. Et quand même de tanker les trois premiers tours, ce qui fait des matchs hyper explosifs. Et moi, en fait, je me rends compte que je prends pas trop de plaisir à ce genre de gameplay. Donc voilà, je suis un peu dans l'optique de me dire, je tente des choses. J'ai eu deux rondes qui ont été forfaits parce que j'étais pas dispo, j'avais un impératif IRL dans le début du tournoi. Donc je me dis, bon, là, de toute façon, je suis pas du tout dans l'optique de performer sur ce tournoi, donc je tente des choses. Je sors de ma zone de confort, je tente différentes approches. Sur le match précédent, j'avais joué sans pretext sur plusieurs persos, et comme j'avais des modes bien tanky, ça s'est très très bien passé. Là, le problème, c'est que je me rends compte dès le début du match que c'est pas forcément malin parce que ça risque quand même de rush pas mal. Et bah, un panda, ça met quand même un sacré rythme. Je m'étais dit, l'idée de jouer sans pre-tech, ça peut être aussi sur une grande map comme ça, de ne pas trop s'exposer et d'attendre juste 3 tours. Parce que bah, du coup, c'est l'autre en face qui est un peu obligé qui est un peu obligé d'y aller parce que sinon, bah, il joue le match après avec un trophée en moins, quoi. Donc je me dis, en vrai, pas besoin de forcer. Et puis, je sais pas, j'ai été aussi perturbé par les emplacements de départ qui sont beaucoup plus éloignés et qui laissaient pas trop de flexibilité que ce que j'aurais pensé. Je les ai peut-être regardés un peu tard dans mon appréhension du match. C'est difficile hein, de gérer tout ce qu'il y a à prendre en compte sur le début de la draft. Quand on joue seul à jouer ces trois comptes, ça va vraiment très très vite. Et je me dis, bon, allez, go. Je vois que le panda il est en bouclier offensif et qu'il est sans rattraperie. Et je me dis, bon, objectivement, là, le Yop au niveau des raises, c'est le plus facile à focus. Là, je fais un tour un peu bizarre avec mon Xel. Je lui mets une pétrif horloge, mais du coup, la pétrif va pas être spécialement boostée. J'aurais pu faire bien mieux que ça comme tour. Ne serait-ce que, par exemple, sablier de Xel, ralentissement horloge, ça aurait été mieux, en restant dans des tours très basiques. Et donc voilà, le Yop en termes de raids et de gameplay un peu mi-distance, ça va être le plus facile à focus, je pense. Je me dis, ça se présente quand même pas trop mal parce que c'est un Yop R en face. Et les Yop R, j'ai tendance à trouver que c'est très mauvais quand il n'y a pas de boost PA avec. Comme tous les sorts, ils coûtent cher en PA. C'est un peu compliqué de placer son érosion à 4 PA, de lâcher des zéniths à 5 PA. Je me dis, bon, en principe, si en plus je lui mets un peu de retrait avec mon Xel, je devrais pas avoir trop de mal à lui mettre assez cher. Là, je vois le panda qui me met des gros dégâts. J'ai pas encore trop eu l'occasion de croiser des pandas depuis le rework. Et les quelques fois où j'en ai croisé un, j'ai été plutôt impressionné. J'ai l'impression que c'est très fort.
Et là, avec mon sacri, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que je cope? J'ai envie de cope le yop en fait. Le problème, c'est que bah, si je cope le yop, il est en place pour me faire un gros zénith derrière. Je me dis, allez, j'y vais sur Lugie. Mais je pense que ça aurait été pas déconnant en fait là de cope le yop, comme il a pris en plus un poil de retrait, de le ramener et de le rush comme ça aurait peut-être été pas mal. Ça l'aurait obligé soit à claquer des PA pour repartir, soit à rester exposé. Mais bon, je me dis, allez, c'est pas grave, on y va comme ça. Là, avec le sacri, je viens poser mon ébène, prendre un peu de régène, bouclier également. Et on est parti. Lugie va jouer dans la foulée, l'état proie est posé. Donc, je pourrais faire un petit flair s'il y a besoin. Voilà, Lugie qui avait pris un peu de focus, donc je l'ai reculé. C'était l'avantage aussi, hein, c'est que j'ai protégé mon Lugie indirectement. Là, je vois que ça change de focus. Donc, on a voilà, la petite fracture qui part sur le sacri. Il n'y a que 13% des reposés. En revanche, le zénith me fait vraiment très très mal ici. On est à 1300 de dégâts. Et je me dis, en fait, j'ai un peu fait nimbe dans mon Theory Craft de match. Parce que je joue sans Pre-Tech, mais j'ai pas de soigneur non plus. J'ai aucun perso feu, en marteau possédé ou je sais pas quoi. Et là, je me dis, mais attends, mais mon sacri, il est déjà à 2500 PV, ça peut vite devenir compliqué en vrai. Là, je suis obligé de me claquer 6 PA avec Lugie pour me détacler du Wasta et pour aller chercher la proximité. Donc je me dis, bon, allez, faut que j'y aille maintenant. Let's go sur le Yop. Là, j'ai 8 PA, j'ai envie de lui mettre de l'héros. Bon, je vois qu'il prend quand même des bonnes patates, hein, il a 29% R. Et je vais chercher la petite Flamiche sur le Kra, puisque je veux lui casser éventuellement des ocres et Vulbis. Et en plus, ça me permet de prendre l'ébène distance et de poser mon ébène sur le Yop. Donc là, le Yop, il a double ébène. Notez que j'aurais pu d'ailleurs faire une carcasse sur le Kra, ça aurait été un peu mieux, un poil plus de dégâts. Je sais pas pourquoi je mets une Flamiche. Bon, voilà, du coup, je me dis, j'ai essayé un petit peu de disperser la pression que je prends sur Rugi et sur Sacri. Mais l'idée c'est que j'ai absolument besoin que mon sacrieur il ait pas mal de PA et qu'il ait des zones de régène pour pouvoir se reprendre un peu des PV parce que je prends vraiment très cher. Là, je me prends une petite flèche empoisonnée qui passe à moins 3, c'est toujours assez remarquable. La flèche du jugement qui tombe un peu à l'eau, hein, après avoir utilisé des PA mais sans crit c'est pas terrible. La flèche destru qui est toujours un petit peu embêtante puisque ça m'enlève des dommages donc indirectement de la régène sur le sacri. Et là je me dis bon c'est pas si mal mais bah là le sacri est quand même mal. Et avec le Xel, je peux pas trop l'aider. Et là, je voulais faire une frappe de Xel pour le reculer, mais j'ai l'engrenage, puisque je first try la variante, évidemment, c'est le meilleur moment pour faire ça. GG Grifox. Là, ça aurait été bien, je peux te reculer un peu. Je me dis, bon, ok, on teste un peu le potentiel d'engrenage. Je me dis, il faut absolument que je puisse mettre un petit peu d'entrave sur le panda pour pas que je prenne trop cher. Là, j'ai remis une pétrif. Je suis un petit peu hésitant sur mes sorts. En fait, la pétrif, il faut pas y aller à moitié, quoi. C'est soit on joue à fond le sort et on essaie de le stacker. Là, je fais nimble, j'ai remis un ralentissement, il l'avait déjà pris. J'ai un tour qui est vraiment pas terrible sur mon Xelor, alors que et du coup j'ai pas non plus mis de retrait ni de pression sur le Yop. Je me dis, oh là là, c'était pas comme ça dans ma tête. J'aurais bien voulu avoir un autre pilier que le Xel, hein, ou alors jouer des modes un peu différents. Et là je vois que ça vient chercher des zones. Le panda, ça m'a l'air d'être absolument abusé en mode feu de crit comme ça. Et même enfin sur tous les modes que je vois, en fait, ça m'a l'air hyper fort. Puisque ça peut aller chercher des gros zones avec des dégâts pour 2 PA qui sont assez colossaux. Bon. On est donc au début du tour du Sacrieur, au tour 3. J'ai quand même pas mal de PA, là j'ai 14 PA. Malheureusement, bah, le Stabikarcham va m'empêcher de choper le Yop. C'est lui que j'aurais bien voulu mettre la sauce, le Yop qui est sous double ébène, donc ça peut quand même tomber assez vite. Là, je me dis, bon, bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fonce dans le tas? Est-ce que je recule? Là, j'ai bien envie en fait d'aller chercher le corps à corps avec le panda, d'attirer le Kra et de prendre une petite zone régène, double émeraude. Le problème, c'est que si je fais ça, il y a le souci du zénith en fait. C'est que bah, si j'y vais comme ça, je m'expose à prendre un gros zénith et j'en ai pris un juste avant, j'ai pas spécialement envie d'en prendre un deuxième là. Je me dis, bon, allez, le Yop est porté, il est quand même un peu sous pression. Donc là, je veux faire une. Ah, mais je me rends compte sur le replay que je me suis raté sur ma projection, je voulais reculer un petit peu. Mais j'avais fait le pilori en début de tour, il aurait fallu le faire juste après. Donc misplay de ma part ici. Le Yop qui prend quand même 443 aux ébènes en début de tour, mais là, du coup, il me bond au cac. Et donc là, ouais, le fail projection est un peu terrible parce que ça m'aurait mis hors de sa portée. Et là, je comptais me faire un tour un peu sécure. Et du coup, bah, je reprends une énorme baffe en fracture zénith, avec en plus les dégâts augmentés par le bond. Donc là, ce petit misplay projection ne met vraiment pas bien. Et il recule à nouveau en face. Moi, j'ai claqué mon flair au tour précédent sur Lugie. Alors, j'aurais plusieurs options. Soit je peux switch sur le Kra, j'hésite un petit peu à partir sur le Kra. Parce que bon, bah, le Kra, c'est quand même un peu une chips. Et si je le laisse déployer son gameplay, il met quand même beaucoup, beaucoup de dégâts. Il aurait peut-être valu mieux d'ailleurs que je parte en fait directement en focus Kra. Comme je le disais, le Yop R, ses sorts lui coûtent beaucoup de PA. Ça aurait pu être peut-être pas déconnant que. Bah, que je focus le Kra et que j'essaie de mettre un peu de retrait. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Parce que j'ai laissé l'état proie sur le Yop.
Et j'aurais pu le mettre sur le crabe pour lui mettre beaucoup plus de dégâts, restacker mes carcasses. J'ai fait un peu d'âme sur ce match. Et là, je vois l'acuité absolue qui part sur le sacri. Des gros dégâts qui sortent quand même. Heureusement, il a qu'une jugement à mettre, il a pas l'air d'avoir grand-chose de plus. Du coup, je suis un peu surpris du choix de l'acuité absolue, là. C'est peut-être juste pour pouvoir mettre une grosse flèche du jugement, mais du coup, ça vaut pas spécialement la peine. Hein. Il aurait pu me pousser un tout petit peu mon Uji, venir chercher la Diago et mettre un peu plus de dégâts. Donc là, bon, bah voilà, je vois quand même que je rentre bien dans leur mode. Hein. Je fais quand même vachement mal. Le Yop est quand même bien descendu avec double Ben, ça peut aller vite. Le Kra, il a pris une bonne patate, même si j'ai pas mis la proie dessus. Là, bon, l'Uji, il tabasse quand même bien. Mais en fait, le problème, c'est que mon Xel, déjà, je joue pas très bien, donc ça m'aide pas. Et en plus, là, je sais pas ce que je fais. Ouais, je choque complètement. En fait, là, à ce stade, je me dis, bon, allez, ça m'a saoulé. Je crois que j'ai arrêté d'essayer de jouer. Je me dis, en fait, là, j'ai aucun moyen de protéger mon sacri, quoi. Le sacri est sous pilori, le panda, il est stabilisé, je peux pas les bouger. Et le panda, il met tellement de chair que bah, là, juste, je me le prends. En plus, j'ai une flèche empoisonnée du Kra qui va me mettre des dégâts empoisonnés au début de tour. Donc, je pars du principe que je rejoue pas. Donc, voilà, vraiment, j'ai un peu pété un plomb sur ce match-là. J'étais fatigué. J'ai un peu rage quit des pre-tech en vrai. Enfin, je sais pas, ça m'a saoulé. Parce qu'en vrai, je faisais le même match juste avec des pre-tech. Même si j'ai pas été très bon sur le Xel et tout, juste avec des pre-tech, je leur roulais dessus. Mais c'est vraiment pre-tech diff là sur ce match. Mais je sais pas, j'en ai marre de jouer avec des. De passer ma vie à taper dans des points de bouclier tout le temps. Ça m'amuse pas en fait. Je commence vraiment à saturer de ce truc. Je sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Il y en a peut-être qui trouvent que c'est très bien. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que le jeu, il se rapproche de quelque chose de vraiment chouette en termes de méta. Mais que c'est vraiment la pre-tech qui pose un gros gros problème de plaisir de jeu et d'intérêt à tryhard le PVP, quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi je vous laisse là, du coup ce match pas très intéressant, qui me rappellera qu'il faut, il faut être en forme et quand même essayer d'être un peu plus sérieux sur les drafts, parce que là ça ressemblait pas à grand chose. Voilà, je suis preneur de toutes vos observations, de tous vos retours. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.